Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance sentimentale. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui vous attend dans ce tirage? Alors, on nous parle d'union, on nous parle de papillon. On voit qu'il y aura un changement, et je dirais un changement rapide entre dans une relation entre deux personnes. Vous voyez, il y aura peut-être, et je vous le souhaite, mais bien sûr ça ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas si ça vous concerne, si vous espérez que ça vous concerne, eh bien, et que ça vous parle, ça vous concernera, mais plus tard, peut-être dans quelques semaines. Mais en tout cas, il y en a pour qui, et je vous le souhaite, que ça se passe rapidement. Mais on voit qu'il y aura un changement. Alors ça peut être une concrétisation, mais ça peut être également une réconciliation entre deux personnes. Une personne qui souhaite que ce soit une concrétisation ou alors une réconciliation, eh bien, ça fait un moment qu'elle souhaite justement ce changement. Et ça va se faire, on va dire, le plus rapidement possible parce que, par exemple, cette personne... Le fait de vouloir passer du temps avec vous, le fait de vouloir de proposer peut-être une sortie, eh bien, on va vouloir que ça planifier ça le plus tôt possible. Au passage, j'en profite, comme dans toutes les vidéos, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Merci pour vos pouces et merci pour vos commentaires. Alors ensuite, on nous parle forcément et on a la carte des paroles. Parce que il y aura beaucoup de discussions justement entre ces personnes. Et je pense que c'est ce qui va être dit, parce que c'est important pour l'une des deux personnes, de dire certaines choses, et de là, il y aura moi je ressens une certaine compréhension. Vous voyez, comme si que vous allez vous dire, ah oui, d'accord, maintenant je comprends mieux. Vous voyez, peut-être dû à la distance qu'il y a entre les deux personnes, peut-être dû à d'autres choses, mais il y aura une meilleure compréhension concernant justement... la personne, votre autre, un homme ou une femme, suite à ces discussions, à ces explications. Je sais, il y en a qui attendent ces explications de la part de votre autre. Vous les attendez, voilà, qui vous disent ce qu'il a à vous dire, qui s'explique. Quand est-ce qu'il va m'expliquer ceci? Quand est-ce qu'il va me dire pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais il ne fera pas comme vous, eh bien, vous voulez. Mais il le fera quand il se sentira prêt. Et souvent dans mes guidances, je parle du soir. Et même si il y en a qui vont se dire, oh, mais pourquoi le soir, pourquoi pas le dimanche, sachant que le dimanche on a toute la journée, ou pourquoi pas par exemple le mercredi, sachant qu'il sait très bien que le mercredi ben, c'est mon jour de repos, parce qu'il y en a, je ressens que c'est leur jour de repos. Et dans ce cas-là, pourquoi le soir et pas. Un certain jour en journée. Eh bien, pourquoi? Et pourquoi? Moi, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas? Parce que justement, cette personne, lorsqu'elle va vous proposer un soir de vous voir, parce qu'elle sortira prête à vous dire ce qu'elle a à vous dire, elle a besoin de vous expliquer certaines choses. Eh bien, justement, il y en a qui vont lui demander, mais pourquoi ce soir? Pourquoi pas attendre dimanche? Ou pourquoi pas attendre tel jour, en plus c'est mon jour de repos, par exemple. Mais pourquoi pas attendre demain, parce qu'en plus demain c'est mon jour de repos. Mais la personne ne voudra pas attendre. On va dire que la personne ne voudra pas attendre 24 heures de plus. C'est paradoxal, hein, parce que sachant qu'il y en a qui attendent ou pas, eh bien, mais il y en a en tout cas qui attendent depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. De savoir le pourquoi du comment, de savoir justement, sans avoir envie de justification, mais de savoir ce que la personne a à vous dire. Et là, elle va vouloir vous dire ces choses, mais le soir. Le soir, alors qu'elle pourrait le faire, comme je disais, un après-midi ou le dimanche.
Alors ensuite, il y a une carte, bon, qu'on voit pas à la caméra, mais voilà. Là, cette fois-ci, on la voit, c'est la carte du passé. C'est une personne du passé. Et justement, cette personne, encore une fois, a des choses à vous dire. Et comme je disais, peut-être que vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir d'explication de la part de cette personne, parce que voilà, une personne fait partie de votre passé et que vous n'aviez pas spécialement envie qu'elle fasse partie de votre présent actuel ou de votre avenir. Et quand je dis de votre avenir, c'est pas forcément au niveau relation amoureuse. Vous voyez, peut-être que cette personne doit être réconciliée avec vous et que vous ayez retrouvé cette complicité que vous aviez lorsque vous étiez bons amis, parce que vous étiez de très bons amis à un certain moment, mais qui est possible qu'il y a eu de la trahison. Et alors, soit que vous êtes senti trahi, soit que cette personne était sortie trahie, mais quoi qu'il arrive, cette personne ressent le besoin, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, mais ressent le besoin de vous faire savoir certaines choses, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Pas des choses forcément que cette personne vous a cachées, mais il y a des choses qui vous ont été cachées. Et on va dire que le fait de vous dire de vous avouer ces vérités, de vous dire ces vérités, eh bien ça va lui retirer un énorme poids en elle. Ensuite, eh bien ensuite nous avons la carte de la femme. Alors bien sûr, quand il y a la carte de la femme, ça peut être la femme, mais ça peut être voilà, soit un homme vers une femme, ou la femme vers l'homme. Et ça peut être également les énergies féminines de la personne, tout simplement. Mais là, en tout cas, il y a une notion de sensibilité. Quand dit que cette personne est sensible à un détail, ou à certains détails du passé, mais pour elle, c'est très important que vous le sachiez, même si peu importe qu'après, chacun continue de faire sa vie de son côté, et que voilà, on va dire chacun repart d'où il vient, mais quoi qu'il arrive, c'est très important pour cette personne que vous sachiez les choses. Et pour moi, soit ça va être dite en tête à tête, hein, parce que dans un premier temps, il y aura des messages, et il est possible que vous allez vous appeler. Mais en tout cas, ça va commencer possiblement par les messages ou par une lettre. Et quoi qu'il arrive, si c'est par message, eh bien la personne va vouloir vous dire, vous voir en vrai, pour vous dire les choses, les yeux dans les yeux, en face à face. Parce que cette personne, dire des choses en virtuel, c'est bien, mais par rapport à certaines choses qu'elle a à vous dire, certes, elle va vous les dire par message ou dans une lettre, mais elle va avoir envie de vous voir. Moi, je ressens que cette personne, ben, pour elle va avoir envie de vous revoir une dernière fois. Être en votre présence une dernière fois, même si il n'y aura pas forcément une dernière fois. Peut-être que par la suite, vous serez amené de nouveau à vous revoir. Mais peut-être qu'elle sait justement, elle ressent, elle est consciente que vous n'avez pas trop envie de la voir. Mais elle, après la démarche qu'elle a faite, elle va avoir ce courage de vous demander de vous revoir une dernière fois, et qu'après, si ce sera votre souhait, cette personne vous oubliera. Ensuite, ben, regardez, je vous parlais de réconciliation, et nous, on a la carte de la réconciliation. Ensuite, on nous parle de toxicité. En fait, moi, c'est pour ça que, dans un premier temps, on n'avait pas spécialement envie de revoir cette personne. C'est parce qu'il y a eu des énergies toxiques, perturbatrices entre vous, dues peut-être à certaines personnes de l'entourage. Mais encore une fois, ces énergies perturbatrices, ça a pu avoir été de votre côté, que ça peut être. Ça vous a concerné, vous, ou peut-être l'autre personne, mais en tout cas, il y a eu comme ça des mauvaises influences.
Et c'est pour ça que cette personne souhaite rétablir la vérité, ou en tout cas certaines vérités. Et comme je vous disais, elle va tout faire pour vous revoir, possiblement une dernière fois, mais même si il est possible que vous allez vous revoir. Mais dû à ces démarches, en tout cas, sera très important pour elle. Moi, ce que je ressens, c'est que ce sera très important pour cette personne de vous regarder une dernière fois en vrai, de vous regarder une dernière fois dans les yeux, pas de, en tout cas de pouvoir vous regarder en vrai une dernière fois. Ensuite, et pour finir cette évidence, moi je vais pas les prendre, il y en a un peu trop. Vous pouvez les prendre, mais ça fait un peu trop tout ça. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une guidance personnalisée, une consultation ou un soin, vous avez tout ce qu'il faut dans la description sous la vidéo. Et pour finir, eh bien, on nous parle de rupture et d'avenir. Voyez l'avenir, comme je vous disais, que vous, ben non, il y a eu, j'ai plus envie de lui parler, et pourquoi est-ce que cette personne me recontacte? Moi, cette personne, elle fait partie de mon passé. Et en aucun cas, eh bien, de mon avenir. Mais il y en a, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y en a après cette réconciliation, eh bien, vous allez, pour moi, vous allez garder cette personne en amitié, comme ami. Cet ami avec qui, ben, pour l'instant, il y a plus d'amitié entre vous. Mais maintenant, eh bien, après sa démarche, qui forcément a été oser, mais en même temps, ça vous a peut-être déstabilisé, vous, mais cette démarche qu'elle réfléchit depuis longtemps à le faire, eh bien, ça l'a plus déstabilisé, cette situation plus déstabilisante pour cette personne, cet homme ou cette femme, que pour vous. Voyez, après, comme je dis souvent, les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui souhaitez vous réconcilier avec un ami ou une amie du passé. Et prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, il y a le côté où, pour cette personne, eh bien, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, où cette personne, eh bien, vous allez de nouveau l'accepter dans votre vie, soit en amitié, soit en amour. Et c'est avec ces mots que je vais finir cette guidance en vous remerciant, comme je fais à chaque fois, mais ça vient du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, merci pour tout, merci pour vos abonnements, etc. Merci pour votre présence, merci. Passez une bonne journée, une bonne soirée, prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.